Des poignées, ouh, les poignées sont bien. Même si c'est. On s'en fout. Je ramasse. Ah, le rituel. Oh là là, c'est quoi ce délire? Je vais prendre tout le monde, y a pas de problème. Elle, c'est elle avec les deux portails bleus et rouges. Bon, c'est ça. Les adhères. Donc là, on est au niveau du puits de lune. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin, il est insensible. On s'en fout. Dans ce lame du crépuscule. Il y a des dieux très anciens. Ça peut tellement prêter confusion ce truc là. Oh, comment elle esquivait ma pleine lune, GG à elle. J'aimerais bien que ça meure un peu là. Silence là. Allez, on tue. On tue les deux que je pensais qu'il fallait pas tuer. Ah ah, il est insensible. Il y a un sapeur. Ah non, un siphonneur. D'ailleurs, y'en a qui ont tué Gilda dans l'équipe ? Je sais pas. Il est mieux que tu en aies fait. Obsidé ce temps, toujours. Il y a 3 missions. Sur le. From scratch, ouais. Méthode ? Non, je suis pas chier, c'est bon. Ils sont sur 10, ouais. Non, mais. Alors, si eux ils sont à chier. Qu'est-ce que c'est le reste ? Et nous ? Est-ce que vous avez une idée de comment les mecs ils font? C'est que des mecs qui sont au chômage et tout, c'est-à-dire en fait des mecs qui font tout le temps. Pas obligatoirement, il y en a qui prennent congé aussi. Ah ouais, ils prennent congé à chaque fois qu'un raid sort. C'est ça, ils prennent plusieurs jours aussi. Mais là pour le part, on travaille pas là. On est stressé. Ouais, je me vois bien que je prends une semaine de congé pour un raid. Ah lui il s'en fout, pourquoi tu prends ton congé? Ouais, non. J'avais vu que vous viendriez, bien sûr. Ouais, non, on part pas en vacances cette année, parce qu'il y a un raid. Ouais, ils prennent pas toutes leurs vacances, quoi. À toi de trouver la femme idéale qui va avec. Je rigole. J'ai cherché une solution pour tous les amis. Ça me fait marrer d'imaginer ça. Et je n'en ai trouvé qu'une. Replay. La victoire de la maison est inévitable. Je vais voir deux autres qui vont prendre. Non, replay. Force et nous en aurait privé. Bravo, si je ne pouvais pas permettre que mon peuple sombre dans la famine sans son énergie. J'ai donc conclu un pacte. J'ai enfin vu un futur où la Légion triomphe et où mon peuple survit. C'est cette ligne que nous devons préserver. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour cela. Vos morts assureront l'avenir des sacres nuits. Venez, je vais précipiter votre destin. Ok. C'est un bruit accéléré. Du coup, pour les éviter, nous, on ira derrière le bleu. Et une fois que celles du rouge seront passées, on passera derrière. On les contournera en fait. Parce que dans le bleu, elles vont ralentir. Après, il va y avoir des AOE à éviter. Il va falloir la tuer 3 fois. Et. User joined your channel.
c'est tout là ce que je me rappelle. Il y avait un ordre aussi, c'était. Il va y avoir quoi, pardon? Il y avait un ordre, c'était d'abord on évite l'AOE et après on va tuer l'AD. Faut pas aller sur l'AD bleu tout de suite, sinon on se prend l'AOE. Ouais. Et on évite pour le deuxième AD, je crois. Pas tout de suite focus l'AD, faut d'abord attendre l'AOE bleu et après aller focus l'AD. On va se démerder. Quand tu pas où les tanks. J'ai sacrifié la strat pour le moment de roleplay. Hein. Y a pas les bombes? Vos destins s'achèvent aujourd'hui. Voilà, une entrée fracasse. Faut vous éloigner du raid. Et un dans la bleue, un dans la rouge et un dans la phare. Ça part pas ça. Non. Là, ça me parle pas tout ça. Bon, les héros, en fait, il y a 3 bombes sur 3 joueurs et les clubs traitent en même temps. Allez, on et... sort de la bleue, on fait le phare rouge. 4, 3, 2, on prenait le buff. De la rouge quand elle meurt, elle est vraiment plus vite. Faut aller derrière le bleu, faut aller derrière le bleu. Là, il n'y a pas assez de PS sur les ânes. Faut aller derrière ou dedans? Quand on est sur le bleu, en fait, ça. Aller derrière le bleu et penser à prendre le buff plutôt. On va pas encore sur la droite, venez derrière le bleu, venez derrière le bleu, il va y avoir là-haut. Alors on reste derrière le bleu, on reste derrière le bleu. Attends qu'elle passe, on décale. Ok. D'accord. C'est pour ça qu'il dit derrière le bleu. Ok, ça me touche. Tu l'ad? C'est quoi ce stack? Allez, on défonce les ads. Allez, on sort du bleu, on défonce la rouge. Décalez-la un petit peu si vous pouvez. Merci. Attention. Allez, on se buff. Allez, faut swat ça aussi. Faites gaffe, ça prend de la vie. Bon, il y a du 504 DPS, ça veut dire que la rouge doit donner un buff de vitesse. Ah, y'a la. Fais gaffe, derrière bleu, pardon. Derrière bleu, on attend qu'elle passe. Elle est passée. Oh, Dion! Putain. On est d'accord que le rouge va plus vite, donc c'est cool. Et la rouge va être autour. On perd un peu de baisse, basse. Vous n'existez qu'à un moment du temps. Ah, je n'ai pas cette pas de reste. Alors. Ok, faut faire ça 3 fois. Attention. C'est génial. Allez les ânes. J'attends plus les dégâts, je vais rentrer sur les ânes. Il n'y a pas de nouvelle technique à chaque... Ça doit être en héroïque. Ah si, elle a des techniques. Faut aller dans les AOE, c'est ça. Faut aller dedans. Faut aller dedans. Donc les distances restent un petit peu, je vous promets ça sur le feu. Inerve sur Speedy Ori, s'il te plaît. Hop, pardon, ma faute. Il y a plus de c'est juste à prendre le buff. Là, il y a la bombe. En plein dans le rouge, je suis bien, moi. Wouah, on rage dans 3 minutes. Il y a une ado.
Allez, chacun dans les yeux. Est-ce que à chaque phase ils réinitialisent leur rage? Ça sera un peu trop. J'ai du bonheur. Allez, Zoro. Ne t'inquiète pas, prise. Ouf. Ouais, il y a un minimum de d'organisation quand même. Et je pense que en P3, il y a 3 boules. Donc il y a un qui est dans le bleu, un dans la rouge. Un et l'autre personne, non, c'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. L'orage repasse à 4 minutes, c'est cool. J'adore. La fois, il faudra une personne dans la bleue, une personne dans la rouge et dans l'autre personne. Vous avez énormément de drops, c'est dommage. Bon. Il a explosé en affichant un grain de verre. D'accord. Culé à mort. C'est vrai que je dois être dans le bleu depuis le début. Je commande aux lignes temporelles. Vous ne pouvez pas gagner. Et ceux qui ont les AOE, il y en a un dans l'orbe bleu, un dans l'orbe rouge qu'on va tuer et un qui sera à l'extérieur. D'accord, c'est ça les bombes. Je crois qu'on est tous les deux dans le bleu. Débile. C'est pas grave. Faut que je regarde par rapport à mon collègue. Bon, là, je crois que c'est bon. C'est le GG. Allez, on finit. Non, c'est sympa, j'aime bien. C'est à moi, merci. Je libère les trios ou on peut me raise? Ouais, non, non, une cape at maîtrise. Aucun des avenirs que j'ai entrevus ne montrerait une victoire. Je me demande. Ouais, ils sont gugus. Entre la Légion ou succomber, le temps tourbillonne autour de vous. Qui en a? Qui en a eu? Peut-être pouvez-vous gagner. Et si vous sauvez le monde,
On s'en a Brolok ? Ouais, j'ai oublié. Au diable la destinée. Je me range à vos côtés, champion. Personne ne veut du tout. Allez affronter Gul'dan, je vous aiderai. Ensemble, peut-être pourrons-nous sauver la création. Ah, voilà le noble. Donc, personne pour la cape. Si je viens, attends, deux secondes, excuse-moi. Même pas vu. Mais votre arrogance. Que j'en ligne. Sera votre perte. Non, je pensais qu'il y avait des gens quand on voulait, mais bon. Ah, mais tu sens les gars, roleplay. Si vous l'avez l'idée. Avez-vous oublié l'humiliation du rivage brisé? Guerrier, chasseur, chasseur. Sound muted. Tombez à mes pieds. Allez-vous m'implorer de vous épargner comme il l'a. Votre pitoyable alliance va s'effondrer. Votre enfant roi courbera les chines devant moi. Et vous tous avec. Alors, normalement, Illidan est là-dedans. Je ne me trompe pas. La carcasse d'Illidan fera un écrin parfait pour la gloire de mon maître. Sargeras renaîtra et ensemble, nous contemplerons la fin de votre monde. Que la confrontation finale commence. Sound resumed. Ok. Donc Gul'dan joue sur trois phases. Blablabla. Bla bla. Ah oui, il y a Mantoul. Blablabla. Deux. T'en veux pas, Lostov? Ah, tu viens de l'avoir? Mmh. Génial, ça. Merci. L'œil de Gul'dan. Référence! Mais il y en avait deux? Ouais. Excellent! J'avais pas vu qu'il y en avait eu deux. Ah, du tissu, j'ai eu. J'aurais eu qu'une. J'ai eu deux guerres en plus. Je sauf, il y a eu en combien? 885, avec chasse. Oh, ça va, ouais. Il t'a donné la bonne. Ouais. Mais il t'a donné la mauvaise plutôt. Bien, allez, finissons-en. Bon, je pense que Gul'dan. 3, 2, what? 1. Fais-tu pas les cons, les gens? Alors, bah Gul'dan, c'est. Ah, bon pantalon avec de la tricky. Et puis voilà. Ouais, c'est calme. Du coup, ici. Première phase, ça va être juste focus Gul'dan, il y a trois ads qui vont pop, je mettrai des symboles dans l'ordre des priorités avec une tête de mort, croix. Elles ont pas mal de vie, donc ça sera vraiment focus là-dessus. Comme vous voyez aussi, vous avez un petit sort. Donc les heals, okay, ça va être au moment où il va faire, je sais plus, je crois que c'est l'explosion gangrénée ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est une AOE de flamme, faudra la mettre. J'ai explosion gangrenée dans toutes ces fait, trucs. Pour, pas que il n'y a pas d'explosion. Ah, il y a une faux gangrenée. Les DPS. Bon. Ben les DPS tout court. Vous avez un truc qui va augmenter votre dommage dès que vous prendrez. Bon. Un coup de, d'une AOE de feu, vous le perdrez. Après ça, je ça, pense que ça, c'est la flamme en fusion. En gros, vous claquez dès qu'il a fait sa première AOE de feu. Et les tanks, je sais pas à quoi ils servent. Mais bon. Pas mourir, je crois. Il y a une fougue en gros. On ne peut pas mourir pendant un quart d'heure. Ensuite, P2.
Il va y avoir en fait une personne qui va être accrochée par des liens. Cette personne, elle va devoir, vous verrez, il y aura un cercle autour d'elle, il faudra qu'elle sorte de ce cercle, il faudra qu'avec elle, il y ait 2-3 personnes, parce qu'au moment où les liens vont lâcher, ça va créer des dommages et ces dommages sont partagés. Donc si elle se la prend toute seule, ça va lui faire extrêmement mal. Si vous la prenez à 2 ou 3, il va pas y avoir beaucoup de dommages. Ensuite, il va y avoir des yeux à focus. Donc ça sera vraiment la priorité, sinon ça, ils se multiplient si on est trop loin à les tuer. Donc toujours de toute façon focus, prio, les ZAD. Et ensuite en P3, il va y avoir une grosse AOE qui va prendre les trois quarts de la salle. Il faudra bouger bien sûr. Un petit peu comme de la même AOE que sur le botaniste qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, je sais pas si j'oublie des Il y aura un puits d'âme au milieu aussi. Ah oui, il va y avoir un puits d'âme, vous verrez. En fait, que Pouvoir rentrer dedans de temps en temps. Pour... là où il y a Gul'dan, il va y avoir un puits d'âme et vous verrez, il y a des âmes qui tournent. Il faudra les récupérer. juste passer dedans là, parce que je... Oui, c'est pas... Il y a le debuff qui pose les pas zones de attaquer feu dedans. aussi. Il y a quoi? Le debuff qui pose les zones de Mais feu. tu démerdes-toi, Henri! C'est parti. Les boules, comprenez, ça pose un truc sur le sol. Là, il parle, mais je sais rien du tout. Les yeux sont plus gros. Enfin, il y a un œil, du coup. On voit qu'un puits d'âme qui vient, blablabla, s'y fond d'âme. Alerte aux soigneurs. Moisson d'âme. C'est mortel. 5, 4, 3, 2. Vous n'interromprez pas le replay. En fait, c'est un gros rayon qu'il faut éviter aussi. Voilà, elle est in, cliquez ça. Pour savoir pourquoi il y a un truc juste de l'autre côté. Oh putain, on va éviter ça. Ah, éviter le rayon en focus là. Débarrassez-moi d'accord. Allez, on focus celle qui vient d'arriver par contre. Au nom du maître, je dois préparer la dépouille. On va réduire ensemble nos entrailles. Oups. Ma faute. Ça tombe pas vite les ZAD. Il est rigolo en bleu. Pour réduire en cendres, que vos entrailles brûlent. Vous avez joué. Et on s'avance vers le centre. Le rituel aura bien lieu. On profite pour monter tout le monde. Les... Reviens, reviens, reviens. Ouf. Là, il faudra tout le temps du monde avec les personnes qui sont liées. Dingue. Ok, là, il compte sur moi et Zélie avec le machin. Okay. C'est bon, avec Zélie. Attention à vous quoi. Par contre, sérieusement, vous pouvez descendre devant moi. Personne devant. Et je l'ai pas dit, donc tu peux le dire plus gentiment s'il te plaît. Vous tapez les yeux ou pas? Les yeux, allez, allez, focus. Oui. C'est la pile. Je peux pas aller plus loin que là. Ah, le lag. Allez, on va aider là, au fond, au fond, au fond. Il y a les. Vas-y, Ori. Ori. On peut péter. D'accord. Ori. Allez, bouge. Allez, 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 allez. Le micro lag. Ce serait bien de te concentrer un petit peu là. Allez les gars. Lag. J'apprends et je lag.
Allez, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Minerve sur Speedy, s'il te plaît, oui. Yep, ça je veux bien. Allez, les yeux, les yeux. Allez, Doom sur Speedy. Zeliak et Nassan. On se fait bump. On peut pas le raise. Il va falloir qu'il y ait un cac qui vienne régulièrement mettre côté moi pour z l'énergie de boss. Oh oui. Il est tombé dans le trou. Oui, tu me dis pas avoir un peu de temps. Ah, qui... Ouais, y'a quelqu'un. Les yeux bleus, Zeniak, c'est impossible de le raise. Il est tombé, je crois. Ah, mais si on s'approche de la paroi. Je suis au niveau de. Voyez, de la sorcellerie. La puissance incarnée. Oh ouais. On aide, on aide, on aide, on aide, faut aider, faut aider, faut aider. Faut être au moins 3. Hein. Ah, faut savoir ce que tu veux. Alors, on tout le monde. Est... Ah, et on reste beaucoup en vie, face, face, face. Rien, mais... Pourquoi on raise ? T'as pas de raise ? Oh là, mm-hmm. C'est l'acceptation ou le raise ? Attends, j'ai eu 3 personnes à peu près. Est-ce qu'on a notre raise ? 27 secondes. Voyez la puissance incarnée. Oh putain. Allez, go away. Chaîne plus grosse AOE sur tout le monde. C'était génial. J'ai fait wipe tout le monde. Ah, premier wipe. C'est quoi le gros démoniste ? C'est quand tu poses le lien à partir de la 3, je crois. De PD, je crois, ouais. En fait, faut le tanker au milieu, je sais pas pourquoi. Prenez la synagogue. Les deux premières phases. Les yeux, ils sont sur le cul. Les gars, quand vous êtes liés au sol, dès qu'il y a 2-3 personnes sur vous, vous bougez. Pour moi, c'était pas dans le lien. Le but du jeu, c'est de casser le lien dès qu'il y a 2-3 personnes. Si vous bougez pas, bah, je fais chier. Beaucoup plus cher. Et on va perdre du temps. Schlack. En fait, il part du principe que tout le monde a déjà fait le raid alors que c'est pas le cas. Bonne idée. Ça aura fait une belle soirée. Je pense que je ne ferai pas la soirée de demain. Bon, ça va prendre le pire de soirée. Oubi, Redi. Il a dit qu'il devait AFK à son fils, il est pas bien. Ah, ok. Ils ne lui en voudront pas. Ah mais tu peux heal toi Nassan au pire. Ouais ouais tranquille. Ah, tu peux avoir plusieurs pires de soins. Il est pas avec nous même pas, Nassan. Ah si. T'es pas aussi. Ah il nous a suivi. À quoi l'aspect service, c'est pas pour heal. C'est pour Soto heal. Pourquoi dire aspect survie là ? Ça donne rien. Tu sais même pas pour les liens s'il en avait parlé, comment on cassait les liens.
Faudrait que je regarde, je regarderai la rediff. J'ai une boîte aux lettres. Non. J'ai jamais fait de boîte aux lettres. Pourtant, je suis ingénieur. C'est bon, il est revenu. Ok, on peut-être un petit peu trop à gauche. Allez, go. Ah bah, il y aura plus de flacons. Il y a plus réactif sur les liens, les gars. Allez, là, vous pouvez claquer votre CD, les DPS. Allez, en focus LAD. Ce sera pas leur priorité, pour l'instant, focus L. Voilà, elle est à droite, elle est derrière nous. Allez, go, on dépasse elle en prio. Il y a vraiment lui qui est en prio. Le silence, le truc. Je dois préparer la dépouille. Moi. Oui, nerf sur Speedy, s'il te plaît. Déjà. Pas une mauvaise idée, ça. Donc ça, c'est la P1. Tant qu'on n'a pas d'époque les ZAD, on passera pas en P2. Ouais, t'as pas le choix. Top 3, j'aurai le sang, quoi. Et les dots. On a fait une puissance astrale. De l'avant-goût, de la puissance du maître. Allez, les nerfs. C'était bien. Allez, les yeux. Allez, on les défonce vite. Exposé sous tête solo. Ça. Ok, on continue comme ça, il t'envoie tout seul. Attends, oh, il pas vu la plaie trop. Mon pote, il est heal. Voyez. La puissance incarnée. Allez, les yeux. Pour libérer la puissance de l'univers. Ma volonté est invincible. Allez, on va dans les liens. Tu vas se péter. Ok, génial. Il est long à tomber quand même, Golden. Allez, les heals, ça nous là. Ah non. Ouf! Je crois qu'il y a ce débat. Voyez la puissance. Allez, les yeux.
Allez, les liens aussi. Je n'ai pas de chien. Je pars. Putain, deux fois je me prends lien plus double œil quoi. C'est bien. Je vais me concentrer à regarder la reste. Tu veux que je le prenne? Non, non, mets-toi sur moi pour libérer sa puissance. Donc il semblerait que sa flamme devient une AOE qui reste stagne. Encore, s'il te plaît. Au bout d'un moment. Quand, il y en a seul contre le câble. J'ai plus mon gars maintenant, je crois. En P3. Invincible. Bientôt alors. Voyez la puissance. Allez, les yeux. Vous auriez dû. Il y en a qu'un là. Vous soumettre. Allez, faut défoncer l'œil. Bon, claquez-moi la BL, il reste mon coin. Faut défoncer les deux yeux là, pour que ça aille plus vite. On va prendre trop cher. Ah ouais, faut être dispatché. Hein. Faut être super dispatché. Cessez de m'importuner. Ok, fin de P2 normalement, P3. Donc là, il devient un peu comme Garrosh, mais au lieu d'être un dieu très ancien, c'est un démon. Enfin, il est chiant. Restez pas au milieu s'il n'y a pas d'âme. Et de priver ainsi le maître de la légion de son hôte. Que vos entrailles brûlent. Flamme sur Justoff. Attendez, on va le voir en plus beau comme ça. Ah, il y a de la lave, ça y est, c'est tout. J'aime bien un démon, ça. Puissance incarnée. Là, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille très très vite, là. Vous succomberez. Oui. L'un après l'autre. Faut pas être paquet. Il faut DPS très vite les yeux. Nobu et moi, on est les deux seuls à être tombés, donc ça peut encore tomber facilement. Tout va bien. La moisson d'âme, ça c'est à. C'est autant que de gérer. Libérer la puissance, mon pote, s'il te plaît. Que vos entrailles brûlent. Merci de faire les AOE. Attention. La tempête. Il faut se casser là. Allez, on bouge. Pas à la Légion. Allez, un CDI là, si on peut. Voyez la puissance. Nous pouvons l'arrêter. Les yeux. Ça, faut que ça aille vite, sinon on est mort. Allez. Allez, on est fini là. Faut les finir les deux. Il y en a un autre. Ok, nice. Non, pas libère la puissance, s'il te plaît. Est-ce qu'on a un raid? Oui. Ah, mais garde-le, ça va bien marcher. Il voulait, voilà, c'est me reste pour que je lui fasse une linéaire. Ça se voyait. Pourquoi résister ainsi? Lame de Sarge, je rappelle. C'est pas champion. Gul'dan faiblit. Attention. La tempête de mort. Ce monde est à nous. Pas à la Légion. Attention au TPA là. Non, il est pas. Voyez. On avait attendu ce raid, mais. Il y a un œil. Oui. Double œil. Ouais, pardon, les ZAD. Il y en a une au fond, faut la tuer. Et normalement, c'est le rush final.
Mais il n'y a plus de mana chez les heals, donc ça va jouer. Ouh, il y a encore un œil. Rad. On se focus. Perso tout ça. Ouh. Ouais, ça va devenir plus en plus chaud. Allez, on reste sur Gul'dan. Gul'dan. Et c'est le GG. Ah, une vidéo. Sound muted. Avez vu tout comme moi. Vous savez quelle est la menace. Venez, mortels, suivez-moi au cœur des abîmes. Alors que ça partait déjà pour les loots. J'ai raté. Ah, il y a une tête. 180, c'est dur. Très très dur. Ah non, c'est les jambes. Il y a du plus 1 à gogo, je leur laisse. Mais enfin, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter là. Donc un clean du normal mode, un peu bordélique, hein, je dois dire. Comme je l'ai dit, je vais avoir des soucis au niveau du montage, mais bon. Un grand GG à toute la guilde pour le rush normal. Alors, je sais pas si on se retrouve demain pour du HM. Je sais pas si je vais être en forme pour ça. Mais bref, toujours est-il qu'on se retrouve demain sur à 21h. On verra. Sinon, on se retrouvera samedi pour... non pas ce que j'avais prévu, à savoir le Payday 2. Ça, ce sera... plutôt la semaine prochaine, puisque il s'est passé quelque chose sur un jeu et j'ai été obligé de le faire. Ça va faire très plaisir à ma communauté de d'avoir ce jeu là à nouveau au bout d'un mois d'absence. Ensuite, on se retrouvera lundi comme prévu pour le Let's Play Pokémon, mais sinon on verra pour mercredi prochain, mais c'est surtout demain. Je vais me poser des questions sur est-ce qu'on va faire le mode HM ou pas. Sur ce, moi je vous dis bonne nuit, plus, et tchuss les gens.